Casino ici. Hein. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Ouais, Phobos, c'est le cheval. Choix, soit on va. Je dévoile. Les membres du culte. Hop. On va aller voir ici. C'est quoi ici? Bonjour. Bonjour, qu'as-tu pour moi? Pas un truc trop chiant. Hein. Sang ou changement, Phoenix doit choisir. Cet artiste a sévi partout. C'est ce que j'appelle de l'antipathie. C'est l'œuvre d'un lâche. S'il le pensait vraiment, tu aurais déjà une lame sur la gorge. Tu as vu cette foule? Les mots ont du pouvoir. Ils sont probablement en train d'en discuter en ce moment même. Ce rebelle cherche à attirer l'attention. Il faut que quelqu'un la lui accorde. Je suis d'accord. Et je crois que ce quelqu'un devrait être toi. Bien sûr. Dis-moi où le trouver, et j'arrangerai ça. Regarde ce pigment. C'est une couleur très rare, et je ne connais qu'un artiste qui l'utilise. Aux dernières nouvelles, il vivait dans une grotte à la cascade de Rutsuna. Ces autres œuvres sont aussi délicates? Du même genre. Des menaces de mort. Il faut que les choses se calment à Naxos. Phoenix mourra pour laisser place à un autre archonte. Je sais que les artistes sont à fleur de peau, mais celui-là est clairement mécontent. La cité pense que la guerre approche, et elle n'a pas tort. Mais elle pense aussi que c'est Phoenix qui l'amène au désastre. Ok. Je vais m'en occuper. On ne peut pas répondre à ces provocations par la violence. Cela ne ferait que jeter de l'huile sur le feu. Ah, si c'est ce que tu veux. Ce qu'elle veut. Phoenix cherche à se battre pour le peuple, mais pas contre lui. Mais simplement un terme à ses activités artistiques. Artistiques. Comme tu y vas. Ok. Bon, déjà pour commencer, on va commencer un truc. J'avais dit qu'on allait un petit peu mieux se stuffer. Parce que là, ça commence un petit peu, légèrement à être tendu. J'ai vraiment rien de mieux. Hein. Par contre, j'avais un méga arc là. Oh, tu m'étonnes. Ok. Ça c'est quoi? Ah, c'est les objets rares, ouais. On a eu, ouais, quelques trucs, ok. Alors, là-dedans, on a eu ça. Ok, mieux. Ouais. Et ici, nous avions eu ça, qui est mieux. Ça, c'est pas mieux. Et on a ça. Pourquoi pas, ouais. Et le reste, c'est bon. Hein, on s'en fout. Ok, on a un peu mieux. Ah, c'est vrai que c'est ici. J'ai vu qu'il y avait un truc. Ça provient de celui qui a écrit ce message. Je vais l'apporter au marchand d'art. Ok. Ouais, c'est où? C'est vrai que j'ai pas lancé la quête. Faut que je mette la quête, sinon ça va pas le faire. Voilà. Ok, on a 80... Wow, 80 mètres. C'est pas très loin. Ah bah c'est par la mairie ça. Mais non, je veux pas aller par la mairie. Je veux faire la quête que j'ai lancée là, actuellement. C'est celle-là, hein. Ouais. Naxos. C'est dans l'autre sens, mon pote. Voilà. Je vais aller faire ça et puis on verra bien ce qu'on fera. Recherche des groupes de gens observant des graffitis. Bah toi, où c'est vous? Il y a des poils collés dans la peinture. Ils viennent peut-être du pinceau qu'on a utilisé. Je dois demander à Agelos. Ok. Et il m'en manque un là-bas. Cette couleur est étrange. Je devrais demander au marchand d'art où l'artiste a pu en trouver. Ok,
On va retourner voir le pote. Qui est pas le pote en fait, c'est pas lui. Quoique. J'ai plusieurs choses à te demander. Vas-y, les clients sont rares. Et c'est lui. J'ai trouvé ces fragments de roche près des graffitis. Ça te dit quelque chose? Ça, ma chère, c'est de l'émeri. Beaucoup d'artistes l'utilisent. Mais dans cet état, elle ne fera pas briller la poterie. Déjà, c'est mon cher. La roche? On en trouve sur Naxos. On en extrait près de la cascade de Rutsuna. Ok. T'avais vu l'arc? Je n'ai vu ce pigment que sur ces graffitis. Quelqu'un t'en a acheté? Maintenant que tu en parles, je me souviens d'un homme qui m'a demandé cette couleur. Un seul? D'après mes souvenirs, oui. Je n'en avais pas à disposition. Il avait l'air impatient et m'a demandé si quelqu'un d'autre en fournissait. Ok. J'ai trouvé ces poils dans la peinture des graffitis. Est-ce que ça te dit quelque chose? Beaucoup d'artistes de Naxos utilisent des poils d'animaux pour fabriquer leurs pinceaux. Et cela, de quel animal proviennent-ils? Trop long pour venir d'un cerf. J'ai entendu dire que certains audacieux prenaient des poils sur les ours de l'île. Pour moi, il faudra être fou. Mais avec les artistes... Ok. Merci. À bientôt. Oui, et tu m'achèteras peut-être quelque chose. Bien sûr. On va retourner au point. Et après on ira voir Mérine. Hein. Donc là c'est une petite quête secondaire. On commence par une petite quête secondaire, tranquille. Et puis on ira voir Mérine. Hop. Et on y va. On a 200 mètres. Ouais, ça va le faire. On va tranquillement. Donc faut. Ah ouais. On va rentrer dans la grotte, hein. Je suppose que c'est par là. Ah, il y a un animal alpha ici. Ok. C'est un poisson, en tout cas, c'est un requin. Il y a beaucoup de grottes, hein. Trouver l'artiste et s'occuper de lui. Lol. Ah, eh ben, c'est bien un ours. What the fuck? J'ai pu lui mettre une ou deux flèches qui étaient magnifiques, mais trop cher. On va retourner, je sais où il est maintenant. Je vais directement lui mettre une bonne flèche d'un coup. On va y mettre deux flèches comme ça, ce serait bien. Et puis coup de pied. On va essayer. Faut pas que je sois dans un coin, sinon je peux pas bouger. Mais il faut que je sois le plus loin de lui. De toute façon, la quête, c'est ça. Faut que je bute lui. Donc, on va tranquillement y aller. En plus, il y a un coffre sympa. Donc, on va tranquillement le faire. On est obligé, de toute façon. Allez. Je dois rester caché. Alors on se casse. Ok, je marche sur le plafond. On va. Voilà. Non, je veux toujours garder mon épée. Par contre,
Tenter une flèche de feu, peut-être. Tenter une flèche de feu. On va attendre. Allez, on va se le faire de loin. Et voilà. Voilà. Le explorer, cascade de la... Okay. On a créé l'XP. Moi, c'est le coffre qui m'intéresse. Il a un méga coffre, le gars. Il a un bon arc. Pas aussi bien que le mien, mais... Ma bon arc. Il est où le gars? Moi je cherche un gars. Ah. Au revoir l'ours. Merci. Ouais. Peut-être pas ici, hein. Bah. Trouver l'artiste. Bah oui, mais. Ouais, je veux bien, mais j'ai tué l'ours. Il n'y a pas d'autre chemin, hein. Ah, voilà. Fallait le dire tout de suite qu'il y avait un truc passage par ici. Je vais trouver l'artiste. Oh, il doit être par ici, hein. Voilà. À parler. Oh, je vais pas l'attaquer, dommage. Te voilà. Je te cherche depuis un moment. Et tu es? C'est Phoenix qui m'envoie pour mettre un terme à ta carrière. Tu es là pour me tuer? Ça dépend de toi. Je t'en prie, Mystios. Phoenix est une bonne dirigeante. Tu peux lui dire, je ne suis que la main, pas la tête. Tu as autant de courage qu'un mouton. Tu écris des choses auxquelles tu ne crois pas. Je ne savais pas que ça irait si loin. Pourquoi as-tu fait ça? On me l'a demandé, c'est une commande. Ces gens-là sont puissants. Essaie de leur dire non, tu verras. Moi, je l'aurais fait. Je ne suis pas une larve. Mais je suis pauvre. L'Arconte m'a promis une fortune, une montagne de drachmes. Et regarde où ça t'a mené. Je vais arrêter, je te le promets. Je n'écrirai plus rien. Si tu ne le fais pas, tu ne vivras pas vieux. Plus un seul graffiti, c'est promis. Tiens, la commande. Regarde. Bon, c'est terminé. Tu n'entendras plus parler de moi. Merci. Morchi, morchi. Ah ben, niveau 29. 28 ou 29? On a fait un petit truc, on a tué un grand ours là, qui est cool. En vrai, l'ours n'est pas obligatoire. Mais ouah, c'est fait quoi. Mais pourquoi tu montes là, toi? Qu'est-ce que... T'as un truc dans ton cerveau quoi? On va plonger. Non, je veux pas plonger. Normalement, je dois aller rendre quelque chose ou pas du tout. Un nouveau jour en Grèce. Ouais, je pense pas que je dois aller rendre quelque chose en fait. Est-ce que je dois aller rendre quelque chose? Va gagner enquête.
Elle est ici quelque part. Non. Non, bah tant pis, on doit pas les rendre. Mais j'ai eu ce qu'il me fallait. On va maintenant, on va vite fait aller voir notre mère. Ok. On va aller là. On va vite aller parler à notre mère. Ainsi, on va pouvoir avancer un petit peu. On m'a fait une petite quête annexe, mais on va faire un petit peu de principal. Voilà, légèrement. On va bientôt aller à Sparte, c'est cool. On va bien trop voir Sparte en fait. Oui, c'est que moi, les gars, c'est bon. Si j'aurais pas été moi, elle serait déjà morte. Donc, soyez plus Soyez plus vigilants. C'est ça. Allez. Qu'est-ce que notre mère a à nous dire? Ah, j'ai couru les deux autres zigotos, enfin les 3-4 autres zigotos à la liberté du monde du culte. Tu peux parler. Des navires de Paros entourent le port. Maudit soit Silanos et cette saleté de culte. Quand cesseront-ils leurs ingérences? Oh! Bon, on y va. Dis-leur que j'arrive. Un blocus? J'ai refusé de verser un tribut à Athènes, et Paros tire profit de la situation. On ne peut plus espérer frapper les premiers. Je peux faire venir mon navire et nettoyer le port. Quoi? Seul face à tout un blocus? Je ne vois pas d'autre solution. Mais j'ai le meilleur équipage de toute la mer Égée. Sois prudent. Et reviens-moi, mon enfant. Ok. On va aller faire un petit peu de navire. Moi, ça me dérange pas, mais bon, c'est vrai que il y en a un peu beaucoup quand même, hein. Faut être un peu raisonnable. Bon. Mon bateau est là-bas. On va tranquillement monter sur le bateau. Allez les gars, on y va. Allez, il faut la déposer quelque part. Il y a trois bateaux. Bon, en vrai, ça va le faire. Allez, on y va. Préparez-vous ou pas? Le capitaine est à la barre. Bon. Archer! Prêt! Ils essaient de nous éprôner! Des archers devant! Un tir remarquable, vraiment! Capitaine, ils se dirigent droit sur nous! Bah ouais, tu m'étonnes! Archer! Soyez prêts! Ils sont 3v1. Maintenant! Attention! Un incendie! Attaque! Allez, allure de croisière là, on peut pas. Allez, rameur! Archer, préparez-vous! Allez. Non. Ils arrivent droit sur nous! Tirez! Il faut s'éloigner d'eux, capitaine. Allez, on se casse. Capitaine, ouais. Le navire est en piteux état. Tu m'étonnes. Ils arrivent droit sur nous. Il y a un navire qui est abandonné, c'est cool. On va essayer tranquillement de pivoter. Ok, il en reste plus qu'un. Ok. On va essayer d'en prendre un par un. On va aller prendre le petit là,
droit de face. Faut que j'en prenne un par un, sinon si je prends les trois, ça va pas le faire. On monte la vague. On replie la voile. On y va. En avant. Bah, ils ont dur, hein, parce que c'est la grande mer ici, hein. Attendons que les rameurs aient récupéré, capitaine. Plus de vitesse. L'heure du combat approche. Préparez-vous. Attaquez. Flèche. Lancez une autre volée. On va tourner. Voilà, un contre un, ça assez. Va. Tenez-vous prêts. Lâchez les flèches. Pas prêt. Lancez une volée. Ne gaspillez pas vos flèches. On rejoint nos postes. Allez, hop. Quelque chose dans l'eau. On le repêche ou pas? Non, on le repêche pas. Tire de flèche. Voilà, on va le finir. Bah voilà. Chacun à son poste. Oh, par contre, c'est ça quoi. Je vais pas monter dessus. Attention, capitaine, ils viennent par ici. Plus vite. On les a touchés. Voilà, et 2-1. Capitaine, il faut se préparer au choc ou s'écarter. Bon, ceux-là, ce sont pas des navires qu'on doit combattre. C'est pas des navires qu'on doit combattre, mais ils se sont incrustés. On va tourner, on va retourner sur les bateaux là-bas. Préparez les rames. Tirez sur eux. Attends qu'ils soient prêts. Force l'allure pour nous frapper. Attaquez maintenant. Malaka, ils vont nous éprôner. Et là-bas, j'avais déjà touché un. Hein. Ah, ils me suivent encore ceux-là. Ouais, ils vont plus trop me... Commencez à ramer. Les archers devant. À vos flèches. Au poste de combat. Attends qu'on est rechargé. Il faut tirer de nouveau. Je crois qu'ils vont nous déprôner. Voilà. Sortez les avirons. Les voilà. Allez, on y va. Ils s'apprêtent à nous déprôner. On va retourner un petit peu par là. On va essayer d'en prendre un. Mais avec l'autre, il se casse. On peut oublier les dangers. Allons-y. Et on y va. À la voile. Faut que je bourre dedans dans celui-là. Parez à tirer. Lancez vos flèches. Malaka, à côté. Attention à ces flèches enflammées. On va voir s'ils aiment les flammes. Tirez. Allez, on va s'approcher de ces débris. Allez. Lancez vos flèches! Attention! Il veut nous déprôner! Attaquez! On vient buter celui-là et puis aller tuer l'autre. On peut leur envoyer du feu! Allez, dévoie ces flèches! Voilà! Non, non!
sur eux. Retenez à votre poste. Attendez qu'ils soient à portée. Maintenant. Voilà, on va la faire un petit peu tourner. Voilà. Tirez ! Par les bourses de Poseidon, c'est la guerre ! Attends les archers ! Voilà. Ça, c'est bien, ça. Tu as réussi, capitaine ! Capitaine, il cherche à nous éprôner ! Attaquez ! Maintenant, on va vous liquider. Voilà. Forcez l'allure. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Bon, il ne nous reste plus qu'un. Et toi, mon pote, tu vas pas vivre longtemps. Vous sentez ce vent ? Abaissez la voile. On y va. On va aller le pilonner. Sortez-moi ces rames ! Préparez vos flèches ! Brûlez-moi ce navire ! On recharge ! Regardez-moi ça ! Voilà ! On les a manqués ! Ça leur a causé des dégâts ! Maintenant ! Ouais. On va contourner. Et voilà. Ah. On va pas les repêcher, on va les écraser, j'ai dit. Boum. Bah voilà. Maintenant on va au port. Augmentez l'allure. Nous sommes à pleine allure. Relevez les rames. Allez, à voir. Mais beaucoup d'incertitudes à l'horizon. On va amarrer le bateau, c'est quand même mieux. Prenez les rames pour amarrage. Et mine de rien, on a réussi, hein. Voilà. Et on amarre là, tu vois mon bateau, il est beau, hein. Genre, regarde, je suis devant elle, ils regardent toutes les deux le ciel. Donc ça va, tranquille. On les fait, tranquille. Bon, chargement là. Le port est libre. Nous devons agir avant qu'ils envoient des renforts. Nous sommes presque prêts. Timo, on charge les navires. Ils seront prêts à ton signal. Alexios, un mot. Quelque chose te tracasse ? En dehors des attaques contre cette île et des agissements du culte, non. Mais j'ai à te parler en privé. Ok. Je t'écoute, vas-y. Il faut agir contre le culte. Notre retour en Laconia promet d'être dangereux. En Laconia. Et toi aussi. Je sais à qui faire confiance ici. Je croyais pouvoir en dire autant pour Sparte, mais cette nouvelle à propos du roi... Aspasia a découvert qui des deux rois était allié au culte. Mieux vaut supposer que les deux le sont. Nous devons chasser la corruption de Sparte, quel qu'en soit le prix. Ok. Au moins, nous pouvons les affronter ensemble. Oui. Pour tout ce que ces chiens ont tenté de nous prendre. Et ta sœur, nous la retrouverons. Reviens me voir quand tu seras prêt. Ok. Bah, prêt on va à pas. Prendre la mer. Où va-t-on ? Nous allons annihiler une fois pour toutes la flotte de Barros. Ensuite, Naxos sera à l'abri et nous pourrons partir. J'ai deux, trois choses à régler ici. Nous partirons dès que tu seras prêt. Ok, merci. Bah voilà, on est cool. On est content. On a bientôt fini. Bientôt aller à Sparte. Donc c'est cool.
Il y a un trésor à piller. Pas intérêt à ce qu'on me remarque. C'est ici ou c'est là-bas? Je sais pas. Est-ce que ça compte encore aussi comme atelier ici? Ouais, sûrement. Non, c'est là. C'est quand même... Pourquoi je bute des Spartiates? Ouais, on va finir avec un. Bon. J'aurais peut-être pas dû venir ici tout de suite. On va monter. On va les faire tomber en fait. Voilà, le bouclier. Au revoir. On va remonter. Hop. Eh ben non. Allez, viens. Voilà, toi c'est fini aussi pour le bouclier. Boum. Et non. La petite esquive. Voilà. Je me casse. Non. Fais attention aux flèches. Toi, tu vas mourir. On va essayer de pas avoir de... On va essayer de pas prendre. Voilà, super. Ok, ça c'est fait. Voilà, on va retourner là-bas. Et on va essayer de se faire le gars quand même. Voilà. Un de moins. Voilà. Il est où le... Te voilà. Ben viens, je t'attends. Après ça, je pense qu'on va te laisser. Oh,
Oh mais non, oh, faut arrêter avec le mercenaire. Hein. Ah, c'est pas le même. Franchement, je me casse. Parce que il y a beaucoup trop de monde. On va se casser, il y a deux mercenaires assez hauts. Et en plus, je vais pas les faire. En vrai, on va attendre, peut-être se régène un petit peu. Ouais. Vous savez quoi, les gars? Alors, on va. On se casse. Alors, je vais me casser un tout petit peu plus loin. Pas qu'il me retrouve tout de suite et je me tais prêt au navire la prochaine fois. Voilà. Voilà. Là on est assez loin. Voilà. Je vais me mettre juste là. Juste ici. Voilà. Hop. Donc voilà, bon moi je pense qu'on va se laisser là. La prochaine fois on ira faire du navire encore on a dit. Et puis on se dirige tout doucement sur Sparte. Bon allez, portez-vous bien, bye bye.